Tous les peuples du monde ont réduit leurs voisins en esclavage. Ça existait partout dans toutes les civilisations. Les Noirs ont vendu leurs frères noirs. Les Arabes ont réduit la terre entière en esclavage et ils sont encore en train de le faire aujourd'hui et tout le monde se tait. Sur cette histoire précise de l'esclavage, les Blancs ont évidemment participé à l'esclavage, mais ils sont quand même surtout connus dans le monde pour l'avoir aboli. Et c'est les seuls à l'avoir fait. C'est quand même grâce aux Blancs que l'esclavage a été aboli. Deuxième chose, sur la question du racisme anti-blanc, qui n'existe pas. Ça tombe quand même assez mal la semaine où il y a eu un procès qui a eu lieu sur une jeune fille qui a été violée à Évry, précisément. Une Absolument. Petite blanche qui a été violée en Réunion. Et le procureur a reconnu aujourd'hui au procès en appel qu'il n'avait pas pris en considération la composante raciale parce que ça risquait de faire beaucoup trop de bruit. C'était quoi cette composante raciale? C'est que les gars ont été la violée, ont-ils expliqué au tribunal, parce que toutes les blanches sont des putes. Texto. Mais pardon, mais une gamine de 18 ans qui est violée parce que toutes les blanches sont des putes, pardon, mais il faut m'expliquer ce que c'est si c'est pas du racisme anti-blanc. Il y a un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Sa vie est détruite.